Si toi aussi tu veux être au courant des buts de tes équipes favorites, je t'invite bien sûr à télécharger l'application CrowdScore disponible sur iOS Android, une application qui couvre plus de 230 compétitions de football dans plus de 110 pays. L'application est très facile d'utilisation et bien sûr il n'y a pas de publicité. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la compétition Nation Cup, comme vous pouvez le voir. Une compétition assez intéressante, assez originale. Ils font 11 nationalités, pardon, dans les titulaires de l'équipe. Donc, en gros, faut pas deux Brésiliens. Voilà, faut à chaque fois une nationalité différente. Vous pouvez faire soit des petites hybrides assez intéressantes, ou alors faire comme moi, un petit championnat avec des équipes et des joueurs très divers et variés. Un pack joueur premium or en gain. Et si je dis pas de conneries, il me semble que le pack, pardon, est invendable. Mon parcours en 8e, 5 à 2, en quart 2-1, en demi 5 à 4. Donc en gros, franchement, on a fait des super équipes. J'ai joué contre des Crespo, contre des Marcel de Sailly, Laurent Blanc, enfin bref, beaucoup de légendes dans cette compétition. Et au final, on s'en est très bien sorti vu qu'on est arrivé en finale. Mon équipe, la voici, un petit mix Ligue 1, mec, j'essaie de mettre voilà, des nationalités qu'on voit très peu du côté de la Ligue 1. Je parle bien sûr, voilà quoi. Faut être franc, des Italiens en Ligue 1, à part Thiago Motta, Verratti, il n'y en a pas beaucoup. Des Espagnols, il me semble, de tête, à part Darder, il n'y en a pas beaucoup. Des Japonais, il me semble qu'il n'y en a aucun. Du Nigérian, bon, certainement en avoir un, j'en ai pas en tête. Des Slovaques, des Polonais, bref, etc., etc. Bon, c'est parti pour cette finale, les amis, on met une petite carte forme. S'il y en a, oui, et puis on part pour cette finale, on espère bien sûr la remporter. Avant de commencer, j'ai une petite chose à vous demander en vue de la reprise des cours. Donc d'ailleurs, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté, l'emploi du temps, la rentrée, les collègues seront là au rendez-vous. Donc j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Et autre petite question, dans l'espace description de la vidéo, je vais mettre un petit lien pour savoir un peu quels horaires de stream vous préférez que je fasse, peut-être dès demain, après-demain ou début de semaine prochaine. Parce que c'est vrai que quand je stream à 13h pour mes vacances, voilà, 13h c'est tranquille, hein. Tu te réveilles, tu mates le stream, voilà. Mais c'est vrai que maintenant il y a les cours qui ont repris, donc je vais mettre quelques petites tranches d'horaire, vous verrez bien sur le Stropole, et ça sera à vous de choisir, ok? Allez les amis, c'est parti pour cette finale, on affronte. Oh, à chaque fois c'est des grosses équipes, quoi, putain. Alors c'est une série à attention à défense, très physique, très rapide, Barzagli, Koulibaly, les deux en tot, Ansaldi, Zuniga, version IMOTEM, Perisic, Asamoah, me terrain, deux super passeurs, Pjanic ainsi que Hamzik, et devant, attention, ah, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué les amis, cette finale, c'est parti, let's go. Bon, on a Pjanic en face, ça va être chaud, ça va vraiment être chaud. Krikoviak, bien joué ça. L'accélération de Flotov directement pour Riyad Boudbouz. On va éliminer Riyad Boudbouz du pied gauche, et voilà, bien joué les amis, on ouvre le score dans cette finale. Première occasion du match, un bon petit festival de Riyad Boudbouz qui est chaud. Hein. J'aime beaucoup ce petit joueur algérien, il fait du ça, il est très technique, très agile, ça passe. Et la finition est au rendez-vous, 1-0. Mets ta tête, bien joué ça. Allez, attention, Riyad Boudbouz. Bonne petite relance, Marco Verratti qui va chercher Ressé, ça passe. Perisic un peu moins rapide, donc on peut faire la différence. On revient en retrait pour Riyad Boudbouz qui enroule du pied gauche et 2-0. Voilà cette finale. Commence sur les chapeaux de roue, doublé de Riyad Boudbouz. Franchement, il envoie du sale, hein. Sa deuxième carte in forme, je crois, là. Oh là là, le toucher de balle, la finition, rien à dire. Bien joué, 2-0. Oui, bien joué, Marco Verratti qui chiffre le ballon, attention. Contre-attaque menée par Thauvin qui va servir Riyad Boudbouz, peut-être pour le triplé de Boudbouz, on enroule. Et voilà, le triplé, les amis, en l'espace de 15 minutes de jeu, c'est signé Riyad Boudbouz. Voilà les amis, cette finale, je pense qu'elle est acquise, à moins d'une remontada de l'adversaire, mais en tout cas 3-0 en un quart d'heure, avec un triplé de Riyad Boudbouz, que demander de plus? Eh bien joué, ça, Riyad Boudbouz, tac, on accélère, Riyad, le petit râteau, le double râteau de Riyad Boudbouz, et le quadriplé, c'est le quadriplé. What? What the fuck? What? J'ai dit quoi là? Le quadruplé, ouais, le quadruplé, j'ai dit, non? Bref, le quadruplé, les amis de Riyad Boudbouz. Je m'étonne moi-même quand je parle. Le quadruplé, by Cyril, 2016. Le quadruplé, bien joué, de Riyad Boudbouz.
Bon, ben voilà, les amis, hein. C'est la mi-temps. Écoutez, on mène 4 à 0. 4 tirs, 4 rigs, 4 buts. Ben voilà, quoi. Riyad Boudbouz et sa patte gauche, c'est franchement magnifique. Riyad Boudbouz, une nouvelle fois, qui accélère. Pas trop de solutions avec Boudbouz, hein. Bon, on va chercher Ressé, c'est parti. On va bien jouer ça pour Boudbouz. Ouais, tir du pied droit. On revient en retrait. Krikoviak. Bien joué ça, Riyad Boudbouz. Allez, boum! Oh, dommage, pas loin du cinquième but de Boudbouz là. Ah, attention, c'était peut-être dangereux. Oui, Boudbouz, la frappe de Boudbouz! Cinquième but! Voilà les amis, le but de Riyad Boudbouz pour son cinquième but dans cette finale. Ah, ça fait plaisir des joueurs comme ça aussi décisifs. Pourtant, c'est pas son rôle, c'est un meneur de jeu. Mais la finition, elle est extraordinaire de Boudbouz, quoi. Pied gauche, c'est la folie. Oh là là là. Oh là là. Oh là là, la honte. Oh la honte. Ah ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud ça. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou non, mais. Oh la honte. Je sais pas. S'il fait exprès laisser passer le ballon, alors il rate le contrôle. Mais c'est chaud. Allez, Boudbouz. On va se capter, Boudbouz, hein, parce qu'il fait tellement du sale que l'adversaire il sait plus quoi faire. Oh là là, Boudbouz! Magnifique! Magnifique! But de Riyad Boudbouz. Oh, Bédimo, on y va. Ah, je vous jure, je vais marquer avec Bédimo. Hein. Ben voilà, c'est fait. 8 à 0 dans cette finale. Je crois que c'est ma plus belle finale que je vous propose en vidéo. Un sextuplé de comment il s'appelle? De Riyad Boudbouz, un CC et un but de Henri Bédimo. Et bien voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle fut extraordinaire. Victoire dans une finale écrasante. C'est la première fois de ma vie, hein, je crois que je propose une vidéo comme ça, quoi, genre une finale 8 à 0, un sextuplé de Riyad Boudbouz. Un CC ainsi qu'un but de Henri Bédimo. On va voir les passeurs décisifs. Parce que oui, Boudbouz a marqué 6 buts, comme je vous l'ai dit. Passeur décisif, Flotov, 2 Verratti, 2 Vressé, 1 et Ubochan, 1. Ok. Et bon, en tout cas, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Ça fera en tout cas très plaisir. Et ça prend même pas une seconde. Donc, c'est tout bénef pour vous et pour moi. Allez, c'est parti. Le pack or. Qu'est-ce que c'est comme pack? Rien que des joueurs, ouais, c'est une sorte de pack à 25K, je crois. Où il n'y a que des joueurs et 3 rares. Bon, comme par hasard, ça en aura de la merde et comme par hasard, ça sera invendable. Voilà, Herrera, meilleur joueur 81. Voilà. Et quand tu veux discard, eh ben ça coûte 0. Bon, on va dire, c'est juste pour le fait de vous proposer une finale. Et bon, quand tu mets une raclée au mec 8 à 0, que ton meilleur joueur est la 81 de général. Et en plus que le pack il est invendable, légère quenelle. Allez les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Bye bye!